l'eau va nous arriver. Yo les amis, comment ça va? Moi ça va super. Alors, ça fait un bon bout de temps que mon vélo il est chez Nice. Il a crevé de partout des deux roues. Et pour des raisons de santé, je n'avais pas pu récupérer mon vélo et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis en route pour chez Nice. Moi j'ai décidé de faire un vlog comme ça quoi, pour récupérer mon vélo. Ah. On va voir comment on le transporte pour l'envoyer ensuite chez Jonas pour récupérer, pour voir en fait comment on va réparer ce vélo là. Parce que ça me fatigue, je fais les crevaisons à répétition. J'ai fait plus ou moins... J'ai perdu l'équivalent de, je sais pas moi, 8 chambres à air quoi. Faites vite le calcul, 3000 francs la chambre à air, voilà. Donc ça commence à faire trop et il faut vraiment qu'on trouve une solution définitive. Voilà, donc moi là, je suis à pied ce matin pour essayer de me chauffer un peu. Parce que ça fait vraiment, vraiment longtemps. Et puis bon, voilà, je profite. Alors je vous montre un peu le décor, je vous montre un peu ce que je regarde, la vue. Voilà. Tout ça c'est Abidjan. On a la Palmeraie maintenant, la rivière Palmeraie, les beaux quartiers, le succès économique, comme on aime le dire. Hop. Attends, j'avais jamais vu ça. Ah, ici c'est bon, on peut faire des descentes et... Ah mais c'est chaud, il n'y a pas de marche là. Ok, ok. On abandonne ça. Hein. Bah. Bon, vous voyez là, normalement, je viens de faire la voie à la Y4 qui va passer par là. Donc ça passe, ça va faire tout le tour d'Abidjan normalement. Et c'est Energy China qui en est l'opérateur. Je pense que cet opérateur là, ils sont assez qualifiés. Mais bref, je sais pas trop. J'ai déjà vu les travaux dans un pays voisin. Voilà. Donc ça doit passer de là-bas. Traverser. Et atteindre en fait la route de Alepé là-bas, sortie là-bas, je crois. Donc ça sera la plus grande ceinture, je pense. Donc on va la faire, on va. Juste, je trouve que d'ici là, Abidjan sera un peu désengorgé. Sinon, il va falloir réfléchir à d'autres solutions, quoi. Voilà, donc ça passe jusqu'à là-bas, derrière, en fait. Et c'est vraiment balèze, quoi. Là, c'est, tu vois, on a Saint-Viateur, en fait. Toujours à... Ça c'est la rue qui mène là chez Eunice, ça c'est la rue qui mène là chez Eunice. Et bam, et à moi qui transpire. Donc dans pas loin il y a le studio d'enregistrement de mon jeune frère de Daloa, voilà. Et il a fait le beat en grave. Pour moi, le beat est assez plaisir, assez bien, il y a l'instrumental même. C'est vraiment super quoi.
Donc il y a l'école qui est là juste à côté. Mais non, je pense qu'il y a un studio aussi d'enregistrement. S'il est ouvert, moi j'allais le visiter. Hein. Bon, là je suis pas loin de récupérer mon vélo. Ça va être un peu chaud de savoir comment je vais partir. Parce que voilà. Ouais, je vais aller en taxi peut-être. De là jusqu'à chez Jonas. C'est assez loin quand même. Enfin, on va prier que les taxis soient indulgents. Voici le vélo. Ouais, il est bien crevé. Hein. C'est deux roues. Hein. Deux roues au calme. Ah, je galère depuis un moment hein, avec cette histoire de crevaison. Ça devient pénible là, de crever tout le temps. Bah, en fait c'était la chambre, je pensais que c'était la chambre hein, et enfin je sais plus trop le problème. Là j'ai mon vélo, je vais essayer d'arrêter un taxi rapidement. Ce type de taxi là, bonjour. Yo les amis, là je suis chez Jonas au Chauvail. Ça c'est l'arrière-cour, c'est son, on va dire, c'est son magasin, c'est son jardin, voilà, c'est où on répare les vélos.